Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans ce 13e épisode de notre Let's Play sur Zelda Phantom Hourglass. On est toujours à l'entrée du temple Goron, on est toujours en live Twitch à côté au cas où il y a besoin. C'est plus sympa, on discute, c'est chill et ils peuvent m'aider s'il y a un souci. Donc on s'est arrêté à l'entrée du temple la dernière fois après avoir fait l'île Goron, qui était un petit peu longue mais globalement ça s'était bien passé. Et donc là on s'est arrêté à l'entrée de ce temple. Et on va voir un petit peu comment ça se passe ce temple. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ne foule pas du pied les espaces ensablés. Oui, donc faut vraiment pas y aller. Ok. Donc pour l'instant, on va explorer un petit peu cette salle. Ça me redonne 3 bombes. Très bien. Hop. Hop, 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 hop. Et nous allons ici. Wow, 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 wow. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais pas le buter, lui. Non, je peux pas le buter. Attendez, ça on va vite prendre. On va vite prendre ça parce que autant vous dire qu'ils sont assez relous. Voilà, on va faire ça comme ça aussi. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça désactive les pics. Et ici, je peux le pousser. Ouais, mais attends, attends. Ouais, d'accord, ok. Je l'ai. Hop! Recule-le! Ça dégage. Non! Et lui, tu l'amènes là. Vas-y. Ok, donc on a... Non! Nous avons un délire de statue qui se met en place. Très bien. On va voir. Pour l'instant, les temples se passent bien, généralement. On va voir si celui-ci, c'est la même histoire ou pas. Cette porte-là, je ne peux évidemment pas l'ouvrir. Pour l'instant, on est sur une grande étendue. Ok. Wow! Attention. Est-ce que ça a marché? Ça a extrêmement bien marché. Je ne pensais pas que ça marcherait autant d'ailleurs. Mais bon. Écoutez. Nous sommes bons. Xivarel en parlera après la vidéo, toi et moi. On a quelque chose à se dire. Je viens de te voir. Un viewer qui fait des folies. Disons-le. Un viewer qui me rend riche. Merci à toi, Xivarel. On en reparlera après. Bon, continuons. Oui, de là, il faudra tirer. Donc là, directement. Mais du coup, j'ai pas vu ce que ça avait ouvert. C'est génial. Je suis le pire. Ça a ouvert quoi? Ouvert ça. Ok, alors attendez. Non, ça n'a pas ouvert ça. Qu'est-ce que ça a ouvert? J'ai pas regardé. Voilà. J'étais en train de parler à la caméra, du coup j'ai pas regardé du tout ce que ça avait ouvert. C'est incroyable. Je me déteste. Peut-être rien parce que je l'avais pas mis au bon endroit. Et là du coup... Attendez. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça se fait apparaître un coffre. What? Ok, ça faudra poser une bombe. Ok, ok, ok. Bon, ici on a tout fait. Ah, j'ai ouvert cette porte. Je suis bête, voilà, très bien. Je ne regarde pas ce que je fais, du coup après je m'en mords les doigts. Alors, comment est-ce que je me le fais lui? Comme ça, il marche dessus en fait, tout simplement. Ok. Hop, on open that. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ramener lui ici. Bon, en vrai... Si le temple reste sur ce délire là, ça va. Ça va, ça va, ça va. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Voilà la fameuse. Ok, très bien, on est bien. Alors tu viens ici. Et là du coup il suffit, logique. Enfin il suffit. Facile à dire hein, mais merde, bien joué. Bien joué Julien. Vas-y, refais péter s'il te plaît. Run! J'ai réussi. Vas-y, Varel, t'abuses. Je te vois. Enfin, je vois à moitié, donc. Je me concentre pour les viewers. Ok, on est là. On a une carte au trésor, on est là. Enfin, j'arrête de regarder ce que tu fais et on en parlera après. Excusez-moi, les gens de la vidéo. Du coup, pour ça, j'ai besoin vite de ça. Ok, de 1. En fait, faut juste qu'il marche dessus. Donc en fait, ça va.
Ok, et ça fait quoi? Ça m'ouvre encore la porte. Bon, on a fini quasiment cet endroit. Quasiment. Ah, il faut que je les tire ici. Je pense qu'il faut que je les tire ici. Ouais. Hop, vas-y. Ça passe là? Ouais, ça passe. Faut que j'en tire un à gauche. Et ensuite, j'ai aussi une flèche à faire. Est-ce que ça marche si je le mets là ou pas? Non, ça ne marche pas, ok. Ça, c'est un truc à faire apparaître, je pense. On va voir. Exactement, il perturbe les records pour YouTube. Alors. Ok, petit raccourci, on aime bien. Non, 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 continue, continue, continue. Voilà. Et maintenant, on va venir là. On va prendre ça. Ok, et ça va faire apparaître. Ah, c'était un coffre! Ok, d'accord, tout simplement. Juste un coffre. Il y a quoi là-dedans? Un rubis. Ok. Bon. Ici, nous avons. Ça dégage. Qu'est-ce que ça va me dire, ça, tiens? Ça va me dire quoi? Boing, boing. Il n'y a plus un seul coffre. Va voir ailleurs. Ouais, parle-moi meilleur déjà. Hop. Et ça. Attention. Ça mène où, ça? On va aller voir avant de. Ça donne juste ça. Y a pas un truc de l'autre côté? Non. Ok. Bon, bah pour l'instant. Ah, attends, 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 attends. Attendez, attendez. On va récupérer ça. On va se faire quelques bombes. Histoire de. Hein? Voilà, parfait. Alors, descendons. Descendons, descendons, descendons. Donc là, logiquement, maintenant qu'on a ouvert ça. Mais ça ne m'aide pas pour la suite, en fait. Comment est-ce que j'ai la suite? Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un. Non. Alors attendez. On a fait tout ce qu'il fallait ici, on est d'accord. J'ai peut-être lui, non. Attendez, on va trouver. A priori. Du coup, je peux pas bouger ça. Il faut les mettre à côté, vous pensez? Non. Attendez. Au début, j'étais en mode peut-être mettre les statues là, mais est-ce que. Ah d'accord. C'est en gros, entre la pause, les gens m'ont dit, pense bien à frapper les murs, à exploser des murs. Ok, d'accord, tout simple. Ok. C'est vrai que ça pour moi, c'est pas. Dans ma tête, c'est pas logique, effectivement. Un mur où il y a zéro indication. Pour moi, j'y pense pas. Hop, et on descend au sous-sol. Alors, sous-sol numéro 1. Oula. Fight. Ah non, pas eux. Ok. Je vais plus avoir assez. C'est bon, on l'a eu. Pile au bon moment. Et du coup là ça va s'ouvrir parce que les autres je peux pas vraiment les buter définitivement. Ok, par contre j'ai plus du tout ce qu'il me faut. J'ai plus du tout de d'arc. Qu'est-ce que tu vas me dire toi? Boing boing. Les coffres au trésor, il en reste deux. Non, 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 ça m'intéresse pas que tu. En vrai, on n'a pas besoin à chaque fois de lui demander où c'est. On a vraiment pas besoin de ça. Ok. Ici. Ah! Ah! Eh, je suis là! Lingoron! Bah voilà! C'est là qu'était petit Goron tout ce temps. Non, pas vraiment. Des monstres m'ont attrapé et m'ont jeté ici. S'il te plaît, sors-moi de là, s'il te plaît. Oui. Merci, je suis vraiment désolé de m'être enfui tout à l'heure, vraiment. En tout cas, nous sommes contents de voir que tu vas bien. Courage. Link, derrière toi. Ah! Je n'ai plus. Donne-moi des flèches! Hop, 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 hop. Bon, c'est pas très dur ça, mais juste que quand t'as pas de flèches, ça sonne un petit peu plus compliqué. C'est bon, ça dégage. Ah, mais c'est bon, on va pouvoir aller le sauver. Par contre, si jamais il va falloir qu'il vienne avec nous. Incroyable, tu as réussi à vaincre la créature qui m'avait attrapé.
Merci, je peux enfin me déplacer librement. Ne fais pas de conneries. Hein. De rien, mais on dirait que nous sommes coincés nous aussi. Tu vois ces pieux? Oh putain, on va jouer avec lui. Il bloque le passage. Avec moi, pas de problème. Je peux vous aider à désactiver ce piège. Laisse-moi t'expliquer comment passer de toi à moi, Lingoron. Quand tu veux faire appel à moi, touche mon icône sur l'écran tactile. Touche cette icône quand tu veux passer la main à Lingoron. Tu as compris comment passer de l'un à l'autre? Oui, ça va. Nos destins sont maintenant. Nanana. Maintenant, fais-moi confiance, donne-moi le contrôle. J'ai pas très confiance. Wow! Wow! En vrai, c'est stylé. En vrai, il est stylé. En vrai, il est stylé à contrôler. En vrai, il est méga stylé à contrôler. Hop. Ok. Très bien, ça ouvre. Et du coup, on repasse sur lui et maintenant lui va pouvoir l'aider. Wow, non, 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 ça je connais. Non, pas, tu me piques pas mon bouclier ou je ne sais quoi là. Tu dégages. Ok. Je sais pas s'il y a un autre moyen de les buter, mais dans le doute, je préfère pas prendre le risque, hein, les amis. Dans le doute, je le bute. Alors, il y a quoi là? Ah! Ah oui, d'accord. Ok, alors vous êtes prêts? C'était quoi déjà la touche pour sauter? Il n'y avait pas de touche en fait, c'est ok. Voilà. Yes, le coffre. Le problème c'est que... Héhé. Ah non, c'est bon, il a apparu. Et il y a... Ah oui, les missiles ténueux, c'est bon. Ah bah alors maintenant on va débloquer tellement de choses. À mon avis, tu as obtenu des missiles ténueux, Link. Ce sont les bombes sur pattes qui suivent le chemin que tu as tracé. Tu peux leur faire suivre la route que tu veux en la traçant sur l'écran tactile. Ces bombes sont très pratiques. Essaye, histoire de te faire la main. Bah, en vrai, pour le moment, j'ai pas besoin, non. Pour le moment, pas besoin. Attends, on va reprendre lui. Est-ce que lui peut aller là-dessus? Non. Il peut pas aller là-dessus. Ah oui, voilà, il saute que quand il peut, que quand il a un truc à péter, ok. Wow! Ah oui, mais du coup, les missiles ténueux, peut-être là-dedans. Mais est-ce que lui, il peut pas les passer? Et par contre, peut-être que les missiles ténueux peuvent passer sous les trucs. Oh là là, c'est esquive! Dégage. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais alors, comment il nous rejoint, par contre, Mister? Je sais pas que, mais... Aïe. Comment Mister nous rejoint? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment il nous rejoint. Écoutez, pour l'instant, on va avancer sans lui. Hein. C'est triste, mais... Il le faut. Ok, nous... Wow! Dégage. Ah! C'est bon. Bah, sinon, je peux faire péter dans le truc directement. Des missiles ténueux. Attendez, on va... Ah oui, non, c'est bon. Là, ça va pouvoir passer. Attendez, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ok, une ambre goron. D'ailleurs, je sais toujours pas où est-ce que ça se vend, ces trucs. Les missiles peuvent aller sur le sable. Ah! Alors. Allez, on voit le tracé en haut, c'est nice ça. Raté. Faut que j'appuie sur un truc. En avant. Go! Oui! Parfait. Parfait, parfait. Parfait. On est bon. Tu as réussi. Tout va bien de ton côté, Lingoron? J'ai sauvé un trou. J'ai trouvé un trou par lequel me faufiler. Je vais explorer les environs et essayer de trouver un moyen de sortir. Nous devons nous séparer pour le moment. A plus! A plus. Attends, petit Goron, attends. Dommage. Il est parti. J'espère qu'il ne lui arrivera rien de son côté. Tu peux vendre sur l'île Melka, la maison qui était fermée au début du jeu. Ah, c'est là-dessus que ça se vend, les trésors? Ah, juste au-dessus du chantier naval, du coup, d'accord. Dommage, il est parti, j'espère qu'il ne lui arrivera rien de son côté. Continuons nos recherches. Peut-être allons-nous trouver le minerai par ici. Eh bien, exploser les environs. Oh, ça marcherait aussi. Hein. On descend ou on monte? Alors, ça mène où si on remonte? Si on remonte, ça mène où? Je ne sais pas. Rez-de-chaussée. Ah! Ça mène du fameux côté. Merde. Ça fait deux fois. Dégage. Et là, bah, du coup, en vrai, c'est pas intéressant pour le moment. Ah si, 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 c'est méga intéressant, mais oui.
J'ai tendance à oublier déjà. J'ai tendance à déjà oublier que j'ai ça. Hop, et là, ça va m'ouvrir un pont. Oui! Ok, ça au moins. Sinon, il y a un navire qui les achète deux fois plus cher. Ça marche aussi. Ça marche aussi, ça marche aussi. Alors, SS1. Hop. Allons-y, SS2. Et donc là. Tiens, ça dégage. Bon, petit à petit, on avance. On trouve des trucs. Oui, bon, ça va. Ça va, hein. Du coup, j'en ai à foison maintenant. Non. Ça dégage. Hop, ça dégage aussi. D'abord, je fais tout ce qu'il y a ici. Lui, il va me dire juste les coffres qu'il y a là. Non, c'est pas ça. Boing, boing. Active les deux interrupteurs en même temps si tu veux continuer. Et un missile ténueux pourrait faire tout le travail à ta place. Ah. Oui, donc j'ai compris. Par contre. Merde, 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 merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé masse truc. Oui, tout ça que je voulais faire. Alors, comment est-ce que je fais? Enfin. Je comprends, hein, mais. Pour les activer en même temps. C'est chaud, non? Ça a marché. Bon. Il y avait un léger décalage de timing. Mais c'est pas fait. Ouais, j'ai un peu spam la bombe. Ouais, effectivement. C'est passé. Ok, très bien. Hop. Waouh, dégage-toi. Merci. Tu dégages. Tu dégages. J'aime les épisodes comme ça qui se passent où globalement ça va. Pas comme dans le temple du roi des mers où à chaque fois je mets 1 h 30 pour tourner. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors avance. Là on a encore des ennemis, je crois. Ouais. Hop. Alors là par contre il va y avoir plein 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 de chemins. Ok. On va prendre. On a 707 rubis. En vrai on s'est refait. Nous avons. Parfait, un rubis. Ok. Ok, ça c'est pour les. Ouais, ok. Alors il va falloir. Ok, il va falloir jouer comme ça en fonction avec les bombes, je suppose. Alors. En vrai, même comme ça c'est la porte du boss. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces trucs. Je peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces trucs, c'est que ça me spoil un peu la zone, quoi. C'est bien. Ouais, alors, comment? Est-ce qu'en faisant exploser, ça va les pousser de 1? Pas du tout, bah du coup, on va le mettre là-dedans. On va voir là-dedans ce qu'il y a. Ouais, sauf que là, ça ne va plus passer. En fait. Est-ce que quand le missile avance, je peux bouger aussi? J'ai pas l'impression parce que si je peux. Si. C'est bon du coup. Ok. Voilà. Parfait. Hop. Lui il va me dire quoi? Boing boing. Il n'y a plus un seul coffre. Bien, bah ça va, on avance. Ok, et donc là, du coup, est-ce qu'ils vont se vénérer? Oui, ils vont se vénérer, c'est le seul problème. Aïe. Calmez-vous! Le dernier va se vénérer, ouais. Ok, on n'a plus qu'à les poser. Parfait pour ici. Lui, on va venir le prendre ici, comme ça. Hop. Hop, voilà, on l'amène là. Bon, ça va, en vrai, ça se passe. Taisez-vous! Hop, et le dernier. Attends, ça va être chiant avec le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt amener lui là. Et comme ça, on sera good. Alors, non, pas dans ce sens-là, comme ça. Et là, on va activer les pics. Parfait. On est bientôt à la porte du boss, mais on n'a pas encore le. On n'a pas encore la clé. Je sais pas du tout s'il reste encore beaucoup ou pas sur ce temple, nous allons bien voir. Mais en vrai. Non, dégage. Non, dégage.
Donc en vrai, ça se passe plutôt bien. Alors là, on a des escaliers. Porte du boss, on ne peut rien faire pour le moment. Donc on va regrimper tranquillement. Et qu'est-ce que ça me dit ici? Ah, c'est l'autre côté du sous-sol que j'avais pas exploré. Il va me dire quoi? Des coffres au trésor, il en reste deux. Parfait. Non, non. Pas besoin de me les dire. Là, on va activer un pont, je suppose. Voilà, les petits raccourcis qui font plaisir. Ah, d'ailleurs. Bon, ici, normalement, on avait déjà tout exploité. Il me semble. Donc, a priori, on est bon. Mais on va continuer. De ce côté, des ennemis, ça va être quoi? Ok, j'ai des flèches. J'ai des flèches. Je balance des bombes. Attention. On attaque les deux, on attaque les deux. Oh là là. Cette gérance. Voilà, parfait. Magnifique. Ok, ça c'est fait. Ok. Et on va récupérer ça, ça me redonnait des flèches au cas où. Très bien. Très 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 bien. Hop. Et là on arrive sur... Oh là là. Oh là là. Je sens venir l'énigme compliquée. Attendez, on va buter ce truc déjà. Lâchez-moi! Lâchez. Putain, il y en a un milliard. Il y en a un milliard, c'est terrible! Ok. D'abord, j'explore. Hop. Ouais, évidemment, ça me met le. Ok. Je récupère tout ça. D'abord, je fais le ménage. Ok, ça, ça bouge pas. Très bien. Donc là, il y a un coffre à faire venir. Qu'est-ce qui se passe si j'active lui? Tout simple. Ok, donc il me faut du temps. Donc pour ça, il faut juste que je mette la petite bombe ici, comme ça. Alors, je pense qu'elle... Mince, ouais. Je préférais... Chaque fois, j'ai tendance à décocher le truc. Voilà. Et là, attention. Donc c'est ça. En fait, il y a une caméra sur elle. Mais ensuite, je peux, si je veux, au besoin, revenir sur ma propre caméra en touchant l'écran. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula, je suis en batterie rouge. Attention. Boing, boing. Si tu te retrouves coincé, cherche un indice par-delà les sables. Très bien. Alors, par contre, j'espère que je vais pas me retrouver... J'espère que je vais pas me retrouver sans rien. Alors, en termes de batterie, j'ai un peu peur. Mince, je suis tombé. Quel idiot. J'aurais pas dû. Hop, ça dégage. Alors, checkons vite fait là. Là, il n'y a rien d'intéressant. On est d'accord. En revanche, là. Ok. Est-ce qu'il faut en envoyer deux en même temps? Alors, je ne peux pas. Ouais, vu qu'il y a des ennemis, je peux pas pour l'instant. Je pense pas qu'il y ait besoin de les envoyer les deux en même temps. On va voir. Ok, je... Bon. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a activé? Ouais, on l'a activé, ok. Donc maintenant il nous reste l'autre à faire. Alors l'autre. On va passer par là, par là. Vas-y, on y croit. Est-ce qu'il va se prendre des ennemis ou pas? Bien. Et on a le grand coffre. Est-ce que c'est le boss? Est-ce que c'est la clé du boss? Est-ce qu'il s'agit de la clé du boss? Grand moment, attention. Hop. On va faire une petite save, effectivement, au cas où. Non, pas le statut quête. Oh, on voit mon... Ah oui, on voit le nombre de minutes que j'ai là-dessus, c'est bien. Faire une mini sauvegarde, effectivement. Bon, normalement, la batterie devrait aller. Alors, parfait, la grande clé. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Et comme ça, on va pouvoir finir le temple. Bon, ça va, le temple n'aura pas été... Le temple n'aura pas été très très long. Sur sa sortie, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Moins que ça, même, 25 minutes. Bien. Propre, efficace. Maintenant, il va falloir voir le boss, à quoi il ressemble, mais propre. Si tu tues tous les serpents, tu as un coffre. Ah! Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Pas grave. Allons-y. Le boss, mesdames, messieurs. On est parti.
Hop, on va récupérer tout ça. Tout ça. Donc je prépare les missiles ténueux. Qu'est-ce que ça me dit ça? Ça ne sert à rien de poser une bombe entre ces piliers, va voir plus bas. Il est pas là pour me troll, lui, logiquement. Donc j'espère qu'il dit la vérité. Ok. Ça va me dire machin, touche le truc bleu si tu veux, voilà. Et puis bah on est parti pour le boss. On est parti pour le boss. Hop là. Avec une batterie dans le rouge mais qui ne clignote pas encore. Ça va le faire. Alors le boss. Ok. Déjà moi je pourrais pas avancer plus. On le voit sur la map, il arrive. Oh yes! Stegoronzor. Stegoronzor, lézard blindé. Bon, c'est un dodongo quoi. Link, de l'autre côté du sable, un monstre. Eh mais qu'est-ce que tu fous là? On va s'occuper de ce monstre ensemble. Je peux t'aider en le faisant basculer. Et toi, tu l'attaques depuis là-bas. En le faisant basculer. Oh merde. Comment je le fais basculer? Là, il y a une fissure. Viens sur la fissure. Je te fais attaquer, Lingoron. Ah. Alors attendez, il faut que je fais bien attention, reste vigilant quand même. Même quand tu as des combats avec Tigoron, change dès que je t'appelle à l'aide. Ouais, mais alors attends, parce que moi j'aimerais comprendre ce qu'il faut faire là. Vu que je peux pas sauter. Merde, je suis tombé dans le... À moins qu'il faut que Link envoie direct, mais comme il me met lui direct dessus. Ouais. Ah, il a pris une bombe. Attendez, faut peut-être que je le... Ouais, que je l'attaque directement avec... Oh putain, ma vie. Il va vite. Attendez, 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 attendez. Ça ne sert à rien de l'attaquer de front. Ouais, non, mais j'ai compris, mais... Je voudrais juste de la vie, parce que j'ai perdu beaucoup de vie. Et je l'ai attaqué sur le côté, là. Ah, je me fais attaquer. Oh, on l'a touché! Non, ça a pas marché. Il m'a semblé l'avoir retourné pourtant. Faut prendre le coup en fait. C'est juste que là j'ai pas le... Vas-y, attaque. Viens. Viens, 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 viens. Vas-y. Ok. C'est bon, c'est le moment. En avant. Go. Dans la bouche. Ok, c'est bon, on a la technique. Alors, le problème, c'est qu'il me reste peu de vie, mais on a la technique. Danger, vite. Le problème, c'est qu'on partage la vie, et ça, c'est chiant. Donc, en fait, faut pas juste lui foncer dessus, faut effectivement que j'appuie. Oh. Vas-y. J'ai une mauvaise nouvelle! La batterie clignote! Il faut pas que ça s'arrête, faut pas que la batterie s'arrête maintenant! Ok. Ok. Aïe, 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 aïe. Attention à ma vie quand même. Vas-y, fonce un coup. Fonce, 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 vas-y. Go. Ouvre la bouche. Ok, frappe-le. Go. Ok, est-ce qu'il est mort? Il est mort. Voilà. Bon. Ah bah voilà. On est bon. Et du coup là ça va se stabiliser. Nice. Parfait. Bah une fois qu'on a le coup de main, ça va. Tu as vaincu le monstre, Lingoron. Le minerai est là-bas au fond, je vais aller le chercher. Très bien. Non mais attends, je le voudrais moi aussi en fait. Oula, il va pas se réveiller. Il va se réveiller, 100% il va se réveiller. C'est pas fini. 100% il va se réveiller. C'était sûr. Ok.
Ok. Alors. Là, il y a clairement des trucs soit à creuser, soit à mettre des bombes. Non. Donc à mettre des bombes. Attention, qu'est-ce que ça va faire ça? Rien du tout. Donc en fait quand il aspire, faut juste lui envoyer une bombe dessus, je crois, si je comprends bien. Après il a son truc qui est sorti, mais ça c'est une fois qu'il sera au sol, faudra que j'aille lui taper ça. Putain ma vie. Bon j'ai une potion au pire, mais... Merde. Merde. Des cœurs s'il te plaît. Des cœurs. Ah il y avait des bombes. Rip. Bon c'est pas grave, on aura des... Le problème c'est son serpent de mort là, vas-y aspire. C'est bon. Et là. Go. Go 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 go. Il est mort ou pas? Il est pas mort. Ah putain le cœur qu'il y avait là. J'aimerais éviter d'utiliser la popo. Pas avoir le choix je crois. Alors si j'arrive à utiliser la popo c'est un miracle. Vas-y utilise la potion vite. Le problème c'est... Ah, c'est bon j'ai chopé des bombes en plus. Ok. Vas-y. Tiens. Vas-y, retombe. Go, 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 go. Je sais pas s'il y a des attaques qui font plus de dégâts que d'autres. On va la voir, on va la voir. Attention à ça. Vas-y, il l'a fait trois fois, donc là il va aspirer. Il y avait un cœur. Tiens, cadeau. Cette fois il est mort. Allez. C'est bon. On l'a eu mesdames messieurs. Cette fois c'est bon on l'a eu. C'est sûr c'est officiel. Parfait. Et on va gagner du temps supplémentaire. Et on va avoir le premier minerai. Yes. Parfait. Ah. Nickel. Quel talent. Alors, du coup je sais pas à combien on est maintenant. Vous obtenez plus de ça pour le sablier fantôme 2 minutes. Donc en tout on doit être à 18 parce que j'ai eu j'en ai eu un tout à l'heure aussi. Bien. Et le coffre qui est juste ici. C'est parfait, c'est bien, c'est parfait. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime quand ça se passe comme ça. Et le chemin qui cette fois revient bien au cas où. Mais alors, on n'a pas besoin. Filez-moi un réceptacle. Parfait, ce qui m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant 8. Et on peut retourner voir notre pote. Alors, je vais vérifier hein, mais pour moi on est bel et bien à 16-18 minutes de... Comment est-ce que je vois le sablier où j'en suis? Ah oui, là, on va rester en haut. Ouais, donc 18 minutes, on a de sablier fantôme. Parfait. Bonjour, monsieur. Je t'attendais, Link. J'ai entendu un terrible vacarme. Il s'est passé quelque chose? Oh, cette bestiole n'était qu'évanouie quand tu étais parti. Mais elle n'a pas fait le poids contre Link. Oh non, je suis parti parce que je croyais que nous l'avions terrassé. Mais nous n'aurions pas pu réussir sans toi, petit Goron. Je dois avouer que j'ai complètement révisé mon opinion sur toi. Oh, ce n'était rien, vraiment. Enfin, je suis fier de te remettre notre minerai, Lingo. Ouh. Oh, là-bas, ça doit être le minerai. Allons le prendre. Merci, petit Goron. Allons le prendre, Link. On est parti. Parfait. L'alzanine. C'est l'un des minerais nécessaires à la fabrication de l'épée sacrée. Seule une lame forgée des trois minerais a le pouvoir de défaire Belum. Parfait. Bravo, tu as réussi, tu as le minerai. On dirait que l'instinct de Linebeck n'est pas complètement bidon. Ok. Voici l'alzanine si chère au cœur des Gorons. Il faut en prendre grand soin.
Voilà une bonne chose de faite. Nous pouvons rentrer à la maison, je pense. Eh, petit Goron, cette fois, essaie de ne pas te perdre. Pas de problème. Au fait, quand vous sortirez, passez chez moi. Mon père et moi vous attendrons. A plus tard, frère. Frère. A plus, frère. Décidément, il ne tient pas en place. Nous aussi, nous devrions rentrer. Ok. Et lui, nous, on prend le téléporteur. Hein? Alors que lui, par contre, non. Bon, bah voilà. En vrai, on a eu du bol de tomber direct sur l'île Goron. On a eu du bol de tomber direct sur cette île. Vraiment. Parce que ça aurait pu... ça aurait pu être plus compliqué. Mais bon, du coup, on est tombé directement dessus. Et c'est parfait. Alors. Rip le quatrième pilier. Ah, il y avait un truc à faire avec les piliers? Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Tant pis. Du coup. Hop là. Allons parler quand même à ce monsieur. Et la prochaine fois, il faudra qu'on aille effectivement chercher des trésors à la fontaine des fées aussi. Ouais, il y a plein de petits trucs qu'il faut qu'on fasse. Alors. Oh, petit Goron m'a raconté tes exploits. Pour te récompenser de ton courage, voici l'alzanine. Fais-la bouillir, frire ou forger à ta guise, ce minerai est tien. D'accord, Lingoron. Tu as gagné une stature sans égale. Tu peux marcher la tête haute parmi nous. C'est difficile à admettre, mais s'il est temps que tu nous quittes, en guise de cadeau d'adieu, je te rends la taxe que tu as payée. Ah, ok. Oh, 200 rubis. Nice. J'ai ajouté un petit cadeau de la part des Gorons. Que ta fierté croisse avec les années, Goron. Parfait! C'est très bien. C'est très 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 bien. Donc les amis, la prochaine fois, je sais pas où on devra aller, mais on ira. On essaiera peut-être de faire un petit de choper encore quelques trésors qu'on avait laissés en suspens. Je sais que je fais pas tout, hein, aussi bien pour vous que pour vous, le chat. Voilà, apparemment il y avait des trucs encore dans ce temple et tout. Je ne fais pas tout, mais j'essaie de me consacrer vraiment sur l'aventure principale. Très honnêtement, on n'a pas vraiment de difficultés en termes de niveau pour l'instant, même si j'ai pas encore certains pouvoirs et tout, mais ça se passe plutôt bien. Donc voilà, comme je disais, ce sera pas une aventure à 100%, c'est une aventure un petit peu redécouverte. Mais il y a quand même des trucs que j'ai envie de faire, effectivement, la fontaine des fées, si on a le nombre de gouttes qu'il faut, on ira. Certains trésors qui sont là, on ira. Essayer de trouver la sirène, essayer de... Il y a des endroits comme ça où on ira, je pense, sans souci. Bref, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de commenter si vous avez des astuces, parce que c'est pas dit que le prochain épisode soit en live. N'hésitez pas également... Eh bien, à commenter, comme je disais, et surtout à liker et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. Portez-vous bien tout le monde, à bientôt, ciao.